laquelle vous me suivez. Je m'appelle Juan Dalo et je vois précisément à l'intercession, mais je suis de la grande famille Royal Breed. Et donc, vous avez vu, on vient de faire les boutiques et tout. Donc, l'apparence, c'est le thème du le sujet du jour. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais directement me plonger dans ma pensée. Donc, j'ai deux versets que j'aimerais lire pour développer la pensée que j'ai. Le premier, c'est dans 1 Samuel 16, 7, qui dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. » Et mon deuxième verset, c'est dans 1 Corinthiens 6, 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Donc ces deux versets vont m'aider à parler de mes trois ou deux points, je suis très sûre. Mais mon premier point, c'est l'effet miroir. Quand tu pars faire les boutiques, quand tu pars faire du shopping et que tu es devant un miroir, le miroir ne te montre pas ta personnalité, ne te montre pas ton cœur, tes désirs. Ah non, cette fille est vraiment bien, non. Le miroir te montre ce que tu présentes, ce que tu as porté, ton maquillage, les bijoux que tu as utilisé pour accessoriser. C'est ça que le miroir te montre. Et c'est ça aussi qui est ce que j'appelle l'effet miroir. Quand on est dans 1 Samuel 16, 7, la partie B de ce verset, Dieu dit que les hommes voient ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel voit le cœur. On aime se rappeler de la partie qui dit l'Éternel voit le cœur. Oui, amen. Mais le premier verset dit l'homme voit ce qui frappe à l'œil. Et ici, l'homme, je parle de l'homme, homme-femme, donc l'homme général. Pour dire que l'homme voit ce qui frappe à l'œil, ce que tu lui présentes. L'homme a l'effet miroir. Donc quand tu vois un homme, quand tu vois une femme, la première impression n'est pas « Ah non, c'est un bon cœur, patati, patata », et c'est que tu présentes. Tout ça pour dire que la manière que tu t'habilles, ou peut-être tu te dis « Ah non, mais je ne revêt pas telle chose, ce n'est pas mes valeurs », mais si ce qu'on voit, ce qui nous frappe à l'œil, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on garde. Deux exemples rapides. Tu arrives à l'église, ton pasteur est habillé, on va dire là les couleurs de l'arc-en-ciel sur lui, donc les cheveux bizarres, les costumes un peu... Donc des trucs bizarres, tu vas dire « Ah non, ce pasteur est sérieux en tout cas, waouh !» Non, tu vas dire « Mais c'est quoi en fait ? Il vient nous prêcher, il s'habille de la sorte. » Ou bien tu arrives à l'église et la maman pasteur a mis un short, c'est vraiment short, hein, avec un top là où elle met tout en valeur. Tu vas dire « Non, en tout cas cette dame c'est vraiment un exemple pour nous. » Ouh, vraiment waouh ! Non, tu vas dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et tout ça parce que les gens que tu connais, les gens que tu fréquentes, qui s'habillent de la sorte, ne s'habillent pas pour refléter le Seigneur, ne s'habillent pas pour montrer que non, en tout cas, je glorifie Dieu avec mon corps. Ils ont des intentions complètement différentes dans la manière qu'ils s'habillent. Et ça, c'est mon premier point qui était l'effet miroir. Mon deuxième point, c'est le temple du Saint-Esprit, qui est trouvé dans 1 Corinthiens 16, 19. L'Éternel dit que mon corps est le temple de Dieu. C'est vrai que j'ai parlé que habille-toi, l'apparence est fait miroir et tout. Mais tout ça, c'est pas pour dire que ne t'habille pas bien. Parce que quand le Seigneur dit que mon corps est le temple du Seigneur, pour dire que le temple du Seigneur est un temple beau, un temple présentable, un temple, quand tu vois le temple, tu dis non, ça c'est vraiment un temple qui représente la gloire de Dieu. Donc toi aussi, en tant que fille, en tant que femme, habille-toi d'une manière où tu représentes ce temple-là, où tu es belle, tu es coquette, oui. Mais représente, rappelle que tu représentes quoi? Tu représentes le temple de Dieu. Tu ne représentes pas, je ne sais pas, I don't know. Tu ne représentes pas un certain trend de fashion ou quelque chose. Non, tu représentes le temple de Dieu. Donc si tu aimes les maquillages, si tu aimes faire être coquette, oui ma belle, fais-le. Mais représente le temple de Dieu. Je ne suis pas là pour donner un critère pour dire comment ça dit, parce que mon corps, ton corps, ce n'est pas la même chose. Mais en tout ce que je fais, glorifie le Seigneur. Donc mon temps est largement passé. Donc je suis arrivée à la fin de mon partage. Mais voilà quoi. Donc voilà l'apparence. Sois belle, sois coquette, mais en toute chose, glorifie le Seigneur.